feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. J'espère que vous allez bien, il pleut comme pas possible, j'ai abandonné ma mère pour monter dans la voiture. Bref, donc là on part en direction de Cervin, on va partir faire quelques petites courses et j'ai sorti aussi le Kawe, hein, si vous vous demandez ce que c'est. Il vient de chez Bershka. Là ça fait longtemps que j'ai pas conduit ma voiture, d'ailleurs ça fait longtemps aussi qu'on t'a pas vu. Bonjour tout le monde. Il y a mon papa aussi. Salut. Bonjour. Coucou papa. Salut, ça va? Oui, ça va. Ça s'est bien passé le travail? Si, ça a été, ça va. Super. Ah, il fait bon. Hein. Il fait bon là. Ah, hein. Ouais, là, c'est très bien. Hein. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh là là. Et ça fait du bien au jardin aussi. Ouais. Arroser le jardin. Ah, c'est ça. Ça y est, on est arrivé là. Il y a notre chariot derrière. On va enfin faire des petites courses. Et ma mère, elle se les caille. Maman, t'as froid? Ouais, j'ai froid. Alors que moi, je suis bien équipée. Je lui ai proposé de lui passer ma veste. Mais vu que ma mère, en fait, elle est plus petite comme moi de taille, ça va faire une chemise de nuit. Bref, en plus, là, il n'y a personne au marché frais, donc c'est cool. Ok, mission course faite. Là, je me suis pris ces gâteaux-là. Je vais vous faire... un haul course dès que je rentre, mais en attendant je vais manger ça parce que j'ai trop faim. Là il est 17h30 je crois, non il est un peu plus tard. Oh non, mais je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les heures, mais je dis toujours une heure en moins alors qu'il est beaucoup plus tard à chaque fois. Là il est 18h28, j'ai mangé à midi ce matin puisque je me suis levée à 8h30 parce que ça y est, la reprise du boulot reprend. Donc là, je vous cache pas que j'ai un petit peu. Enfin, c'est pour ça que j'ai pris des gâteaux avec moi. Bref, je vous laisse et je vais prendre la route et je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous montrer donc les courses. Ici, vous allez voir qu'il n'y a pas tout ce qui est légumes, viande, etc. Parce que bah, les légumes, on les prend au marché et la viande, on la prend à la boucherie. Mais en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris de la pulpe de tomate à base de balsamique, de la crème fraîche. Ici, on a de la béchamel, des œufs. Ça c'est trop bien, ça passe trop bien en salade, c'est des petits dés et ceux-là c'est à base d'ail et de fines herbes. J'ai pris du liquide vaisselle parce qu'il n'en restait plus. J'ai pris du fromage fouetté, donc ça c'est nature celui-ci. Et celui-ci c'est à base d'ail et fines herbes et aussi échalotes croquants. J'ai pris du ketchup, de la mayo, du pesto, de la moutarde, des cornichons. Après ici j'ai pris ce jus, enfin non c'est pas du tout un jus mais c'est plus un lait à boire, voilà. Et c'est à base de mangue, Ayoub il aime bien ça le matin. Là il y a de la mozzarella, il y a du fromage de chèvre, il y a du brie. Ici il y a des yaourts de la marque Panier de Yoplait et ceux-là je les aime bien puisque bah, il y a des fruits et ça passe bien ça. Ensuite j'ai pris du dentifrice de la marque Vademecium. J'ai pris du pain de mie que je toasterai le matin et que j'accompagnerai avec, c'est ce que j'ai fait en fait pendant toutes les vacances en Espagne, avec du beurre et de la confiture de fraises. Ensuite ici on a du riz basmati, ceux-là c'est des riz avec des sachets et je trouve ça plus facile franchement de cuire son riz avec bah, ce format là avec les sachets. Bref, après j'ai pris des tagliatelles fraîches aux œufs frais.
ici on a des petites coquillettes, comme je vous le dis assez souvent, ces pâtes là j'aime bien les utiliser pour faire des salades. Ensuite ici on a de la compote à base de pommes et bananes, ici on a des petits pots de crème, et pour moi, Ayoub n'aime pas trop les fruits rouges mais moi j'aime beaucoup, j'ai pris donc ces yaourts là à la grecque, et c'est à base de myrtille, voilà, comme vous pouvez voir. Donc non, c'est pas tout pour les courses, j'allais dire c'est tout mais non. Ensuite j'ai pris des gâteaux Milka, donc là c'est des cookies, ici on a des brownies, j'ai pris 2 paquets de chips, donc à la bolognaise, au fromage et le manger pour les chats, donc ici il y a les sachets et ici on a les croquettes. Nous sommes le lendemain, on est mercredi 7 août, hier je vous ai pas beaucoup filmé parce que franchement j'avais pas grand chose à filmer à part les courses, donc après bah, la soirée elle s'est terminée tranquillement, hier j'ai fait des tagliatelles au saumon. C'est trop bien passé. Et puis bah là, je suis partie récupérer mes colis. J'ai eu 2 rendez-vous ce matin. Là, à l'heure où je vous prends, il est 13h20. Le reste de l'après-midi va se passer au bureau tranquillement. Et puis bah c'est parti, je vous amène avec moi. Here I am. Dans mon lit, là je suis posée tranquillement et c'est très perturbant parce que je vois pratiquement plus grand chose sur mon retour écran, parce qu'en fait j'ai mis un micro, enfin c'est pas un micro pour que vous m'entendez bien, mais c'est surtout un micro pour que vous évitiez par exemple quand je sors d'entendre le bruit du vent. Donc on fera un test un jour quand je serai dehors et on verra si ça fonctionne. Mais Ayoub l'a mis hier et je pensais que ça allait être pas du tout discret, mais en fait si, ça va, c'est pas les gros micros qu'on voit à des centaines de kilomètres, donc en espérant que ça fonctionne. Mais c'est vrai que je me vois pas très très bien genre, mais bon c'est pas grave. Donc là comme je vous ai dit, je suis posée dans mon lit, il est 19h18, j'étais en train de regarder tranquillement des vidéos, donc là je suis à ma 3ème vidéo, voilà. Et si vous voulez savoir, il y a 290 vidéos à regarder plus tard, voilà, à chaque fois quand il y a une vidéo que j'ai envie de regarder, je mets à regarder plus tard. Et ça fait un moment franchement que je me pose plus pour regarder des vidéos. C'est pas que j'ai pas spécialement pas envie de regarder, mais c'est juste que bah, je trouve pas forcément le temps, même si généralement les vidéos c'est jamais très très long à regarder. Mais c'est vrai que avant j'étais une addict à YouTube, je regardais toutes les vidéos, je restais des heures et des heures sur YouTube à regarder tout mon fil d'abonnement, et je passais mon temps quand j'avais quoi aller. Ouais, 16 ans, 17 ans. J'étais vraiment une passionnée de YouTube, j'aimais beaucoup regarder les vidéos. J'étais en train de regarder, si vous voulez savoir, les vidéos de Mila Babychou, donc je regarde son vlog d'aujourd'hui. J'ai un peu la flemme de regarder ses anciens vlogs parce que j'en ai loupé beaucoup. Donc je vais rattraper comme ça en regardant vraiment les dernières, et après bah, quand j'aurai plus rien à regarder, j'irai dans les anciennes. Voilà, bref, je vais commencer à regarder bah, son vlog du jour d'aujourd'hui, et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Salut tout le monde, donc là moi j'étais au coiffeur de mon côté, il était fermé. Là je vais aller au stade jouer un peu au foot avec les collègues, ça va faire du bien un peu. Je viens tout juste de finir de planifier mes mails pour demain matin, et c'est tellement la vie ça, la planification des mails, c'est hyper pratique. En fait il y a peu de temps que j'ai découvert ça, il y a peut-être 6 mois, et un jour je me suis dit oh là là, vite demain faut que je me réveille tôt, enfin vite. Il était tôt le matin et je me suis dit vite, faut que je me lève du lit, il faut que j'aille envoyer le mail, et je me suis dit il faut vraiment que je trouve une astuce pour bah, envoyer les mails automatiquement. Par exemple en fait à 8h tous mes mails s'envoient par rapport au boulot qu'on a avec Ayoub, et je vous garantis que c'est tellement pratique. Je fais pas
tous les mails et toutes les réponses de mails, mais je fais vraiment les plus importantes, comme ça au moins je sais que c'est fait. Et après, bon, au long de la journée, je traite les mails normalement. Et là, donc, j'ai aussi trié par la même occasion mon carnet de où je note tout ce que j'ai à faire. Parce qu'à chaque fois, en fait, il y a des post-it de partout. Et là, j'en ai jeté aussi pas mal parce que ça servait à rien vu que bah, les journées étaient passées. Et surtout, à chaque fois, je prends pour mettre mes idées claires. Je suis quelqu'un qui est obligé d'écrire toujours. Toujours, je suis obligée d'écrire, même si je sais ce que je veux, il faut que j'écrive. Ça me soulage d'avoir quelque chose sur papier et quelque chose visuel à voir tous les jours. Comme ça, au moins déjà, je suis sûre de ne pas oublier. Mais hormis le fait de ne pas oublier, j'ai besoin de me dire, bah ok, il y a ça qu'il faut faire. Ce serait bien qu'on fasse ça comme ça, ce serait bien. Enfin bref, je suis toujours... Il y a des papiers de partout. Et surtout là, dans ce carnet-là, il y avait énormément de papiers brouillons. Et donc là, bah, j'ai fait un tri. Et bah, ça lui fait du bien, ce carnet-là, parce qu'il commençait à être assez gros quand même. Et surtout que je le transporte avec moi de partout. Donc là, il commençait à prendre pas mal de place dans le sac. Et voilà, mes petites missions du jour en termes de boulot sont accomplies. Ça y est, la journée s'achève, il me restera plus qu'un truc en fin de journée, vraiment en fin de soirée plutôt, parce que là c'est la fin de la journée, début de soirée. Mais en fin de soirée, quand j'irai me coucher, mettre au lit, je montrerai tranquillement ce vlog. Voilà, c'est comme ça que généralement ça se passe. Le vlog, c'est vraiment le dernier truc que je fais de la journée, le montage de la vidéo. Comme ça, vous allez la voir, si tout se passe bien, pour jeudi 14h. Donc en attendant... J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le pouce, le commentaire qui va avec et éventuellement vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao !